Tenhouse qui a quelques minutes. Attention, accident! Accident avec Jeffrey Earnhardt. Oui. Qui a peut-être fait comme Matt Kenseth il y a quelques années et qui apporte un drapeau jaune qui peut être important. Oui, surtout qu'il va falloir réparer. Ce sont désormais des containers de sable hein, qui protègent l'entrée des stands, parce que vous avez pu remarquer que c'est extrêmement dangereux hein, cette entrée des stands, ce muret extérieur des stands qui peut être carrément une flèche. Allez, si regardez. Jamais on vient s'encastrer dessus. Et le réalisateur a eu une prémonition en nous montrant les flashbacks avec les entrées de stand ratées. Parce que là, Jeff Earnhardt, avec les bidons de sable protecteurs pour pas se prendre le muret de plein fouet, eh bien, a perdu le contrôle de sa voiture et provoque ce drapeau jaune. Très dur, hein, on l'a dit tout à l'heure. Bien vu de la part de la réalisation de nos confrères américains de souligner que l'entrée des stands ici était très piégeuse. On va tellement vite sur ce circuit. Oui, oui. Piégeuse sous drapeau vert, évidemment, parce que sous drapeau jaune.